Tout le monde cherche le bonheur, la paix, la beauté. Ben, où on les cherche? Dans le souterrain. Ce qui est merveilleux, c'est que le monde entier cherche le bon Dieu, le Seigneur, la plénitude. Quand on boit, c'est le bon Dieu qu'on cherche à travers la boisson. Pourquoi? Parce que c'est délice, cette joie, ce plaisir. Mais c'est le bon Dieu qui se manifeste sous cette forme-là. Quand on mange, c'est le bon Dieu qu'on cherche à travers la nourriture. Quand on écoute la musique, ainsi de suite, pour tout le reste, même quand on cherche les femmes ou les hommes, c'est le bon Dieu qu'on cherche à travers ces choses-là. Le pouvoir, c'est le bon Dieu qu'on cherche, on veut être comme lui, fort comme lui. La science, c'est le Seigneur qu'on cherche pour savoir comme lui. Seulement, voilà ce qu'on n'a pas compris. Ils ne savent pas où, comment le chercher. Ils le cherchent à travers les égouts. Oui. Au lieu de le chercher maintenant, comme l'enseignement nous explique, de le chercher à travers la beauté, à travers l'harmonie, la beauté, la pureté, la simplicité, la splendeur, il le cherche à travers les égouts. Et ils ne savent pas qu'ils le cherchent. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on cherche, croyez-moi. Il n'y a que le Seigneur qu'on cherche à travers tout. Et ça aussi, c'était pour la première fois, c'était expliqué. Jamais personne n'a pensé que c'était ce qu'on cherche sous la forme de bonheur, de santé, de beauté, eu de paix. Mais c'est le Seigneur. En dehors de ça, il n'y a pas de Seigneur. Donc, le Seigneur se manifeste sous ses formes. Tout ce qui est le plus splendide, tout ce qui est le plus grand, tout ce qui est le plus céleste, ben c'est ça. Quelques petites manifestations du Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, on n'a pas une idée. Ce sont des petites choses, des petites particules que nous connaissons sous la forme de joie, de plaisir, de bonheur. Mais ce n'est pas encore la plénitude du Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons expliquer au monde? De leur dire, c'est formidable, c'est magnifique, c'est merveilleux. Vous ne cherchez que la perfection, la splendeur, la beauté, le pouvoir et tout. Ça, il n'y a pas de doute. Mais pourquoi vous le cherchez à travers des manières, des méthodes, des choses abracadabrantes, ténébreuses, sales, dégoûtantes, écœurantes? Pourquoi? Quand il y a d'autres façons de le chercher, de le trouver, et on le trouve. Il n'y a que ça à expliquer. Oui. De les approuver, d'être émerveillé, de dire, ah, c'est formidable. Seulement un petit mais, de changer un petit peu la direction. Oui. Oui. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il ne se rend pas compte que c'est comme ça. Oui. Il ne se rend pas compte.